quoi. On a fait dégrader en cabane et on se mobilise avant tout en acte de solidarité par rapport à ce qui s'est passé les 1993, par rapport à une qualification judiciaire pour fraude excessive. Ça c'est le premier. Mais au-delà de ça, il y a un ras-le-bol depuis des mois et qui s'exprime. C'est pour ça que ça s'est répandu aussi vite que la police nationale et non plus la police. C'est-à-dire ras-le-bol, expliquez-nous un petit peu dans quel point. C'est le ras-le-bol sur les moyens, les conditions de travail, c'est le fait d'être présumé coupable dès qu'il y a un policier qui est en cause aujourd'hui. La présomption d'innocence, sans même parler des chiffres aux policiers. Dans les faits, c'est le cas, hein. Administrativement, judiciairement, le policier est bien souvent coupable avant même d'avoir été jugé. Donc tout ça, ça génère. Les collègues qui travaillent sur le terrain demandent qu'à faire leur travail, c'est-à-dire assurer la sécurité de leurs concitoyens. Mais dès qu'il se passe quelque chose, alors qu'ils ont des familles à gérer, à faire vivre, ils se retrouvent mis en examen, en face du policier en mis en examen, en l'espace d'un instant. Donc à un moment, on ne sait plus quoi faire pour assurer cette